Et salut tout le monde, donc on se retrouve directement en ville. Donc on s'est quitté tout à l'heure, en fait j'ai un peu marché, et il y a vraiment la masse de monde. Et les gars ils sont armés et tout, ils ont chopé des trucs. Et ils sont tous américains, du coup c'est super sympa pour moi, vu que j'ai un niveau d'anglais exceptionnel. Du coup voilà, on va essayer de choper des trucs nous aussi. Car pour le moment c'est un peu la dèche. Alors, donc là la voiture est vendue, putain, il y a du monde partout ici, hein. C'est blindé, hein. C'est une ville, ouais, tout le monde doit tomber là-dessus. On va faire un petit tour, mais à mon avis, il doit pas rester grand-chose. Là-bas, je vois des maisons là, un peu plus haut. On va voir, on va aller fouiller ça. Bon, les gars, ils ont des sacs à dos déjà. Donc, ça peut être sympa un sac à dos pour pouvoir apporter plus de choses. Ils ont une hache, pour ça, une hache, ça se trouve facilement. Tout à l'heure, j'avais trouvé une hache et un fusil. C'est vrai que ça se trouve assez vite, normalement. Si on n'est pas. Après, il y a un zombie. Alors, fouiller un peu, enfin, toutes ces baraques là. Alors, donc là il y a des caisses. Ça n'est pas conduisible parce que les vitres sont pas transparentes. Et c'est qu'on peut pas choper des trucs dedans. Rien choper, j'ai l'impression. Soit je suis complètement nul, que j'ai vraiment rien compris, soit il y a vraiment rien à choper. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a rien à choper. Ça sera peut-être rajouté par la suite, on peut juste les fouiller mais ils sont vides, ils ont pas le temps de les trouver. Donc là on est d'accord qu'il n'y a rien. Ah, chercher là-dedans. Tout ce qui est en fait, tout ce qui est à ouvrir comme ça, on ne trouve pas. Je pense que les choses ne spawnent que. Ne spawnent que voilà, elles spawnent. Ah bah tiens, bah non, voilà, je disais une connerie. Donc j'ai chopé, c'est cool ça, donc de la nourriture, ça peut être très très pratique, donc on va faire ça, drop, hop, et drop. Donc des General Immunity Booster, ça peut être pas mal aussi, je pense que ça peut aider. Donc là dans le réfrigérateur, il n'y a rien, d'accord, et là encore des tiroirs, tout ça. Donc c'est sympa, donc on va fouiller les maisons comme ça là, une à une, et puis si on peut choper de la bouffe, une hache, on sera les plus heureux. Alors j'avais un fusil, mais un fusil sans balles, du coup ça sert pas à grand chose, donc on va essayer de pas se trouver, enfin ça peut être sympa, ça peut intimider en tout cas quelqu'un. Et si on est timide que lui il a une arme chargée, ça risque d'être moins drôle. Ok, là je peux pas fouiller, ah si. Là on met du temps, ça met du temps à fouiller, donc soit parce qu'il y a beaucoup de tiroirs, soit parce qu'il est blindé. C'est parce qu'il y a... Ok. Ah oui d'accord, il avait fait tout le coin en fait. Il n'y a rien. Ah. Là, oh. Grosse voiture. Ok, pas grand chose. Là il y a une caisse à outils. On dirait qu'il n'y a pas grand chose à fouiller. On a fini la première baraque. En tout cas partiellement. Je suis pas sûr d'avoir fait toutes les pièces, mais on va faire le tour comme ça. Une bouteille d'eau, tiens. C'est chaud comme ça. Ça c'est sympa, une bouteille vide. Donc ça c'est cool. Si je peux peut-être la remplir ici, non? Ah, encore une bouteille vide. Je vais pas faire la collecte. Je vais la prendre. Ah d'accord, ok, donc là j'ai presque rempli mon jean, par contre mon t-shirt est vide. Et mon autre truc aussi. Bon. Alors. Ah. Là c'est bien fait ça, on fout le truc au sol et tout, c'est sympa. C'est très sympa. Y'a rien. Okay. Un peu de retard. Notre ami le zombie, on va essayer d'esquiver. Ils ont rentré, je vais surveiller la porte. Là, je fous peut-être toutes les cabines qu'il y a autour de moi. Si c'est ça, c'est vraiment pratique. Donc, alors, là, y'a rien. Ils sont sympas ces baraques. Tremplin et tout. Il n'y a
pas grand chose par contre, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose. Hein, mais... Après, c'est normal. Hein. Sinon, tout le monde serait surarmé, donc c'est fait exprès. Mais j'aimerais bien être surarmé, pas les autres. Ça, c'est le. Donc, ça, donc, je suis déshydraté, j'ai faim, donc c'est un peu la mort. On va essayer de se débrouiller de choper, de boire en tout cas. Donc, hydratation, énergie. Okay. D'accord. Bon. Alors, est-ce que je peux pas faire un... choper un campfire, quelque chose. Donc là, on va rentrer là-dedans. Ah, ça peut être sympa, je peux des outils. Mais non. Ok. C'est des gens qui tirent la gueule, mais par contre, il y a des mecs qui se sont calés ici. Enfin, je pense pas des vrais joueurs, mais voilà. Dans l'histoire de la maison. Pas directement si je prends ça use ok et si... elle est pas si où ma boîte de haricots là vraiment j'ai pas pris putain il me semble que j'avais pris ça bon, j'espère qu'en commence à prendre un truc ça remplace pas un autre que... Je vais me choper la nourriture. Aïe aïe aïe. C'est bien dommage. Je crois qu'on a perdu notre magnifique boîte de haricots. Ah, ou un flingue. Allez. M191. C'est sympa. Il n'y a pas de balle, mais c'est sympa quand même. C'est un peu intimidé un mec. Je le mets sur la tête. Donc ça, on a dit qu'il n'y avait rien. Et celui-là. Il y a rien non plus. Bon. On va monter à l'étage. La maison elle tire un peu la gueule. Soit ils ont fait une grosse soirée avant de partir, soit c'est vraiment la mort. Okay. Ça sert à rien pour ça. On va chercher dans l'armoire. C'est vraiment dommage ça, les haricots. Les haricots, pardon. Bon, c'est pas la... Bon, on a chopé un flingue. Mais un flingue sans santé, ça sert un peu à rien. Donc j'ai la santé qui est pas à fond. Pourtant, j'ai pas pris de coups, il me semble pas. Voilà, la santé des... ma santé descend parce que j'ai faim et que je suis déshydraté. Donc ça, c'est... ça va être compliqué, ça. Ça va être compliqué. Si je chope pas, je sais pas, où je pourrais remplir ma bouteille, quoi. Franchement, je ne sais pas. C'est quoi, c'est un pont, il y a un zombie, on a l'air en super chute. Il y a une petite maison en bas du pont, est-ce que je peux pas remplir ma bouteille directement à la rivière comme ça? J'aurais la santé qui descendrait moins vite quand même. Je vais le mettre en temps, je crois. Petit bottle, d'accord. Donc là, je la remplis d'eau, il me semble. C'est vraiment super. Allez, rempli d'eau sale. Il faut que je la fasse bouillir avec un campfire pour la purifier. D'accord. Donc, on a de l'eau. On n'a pas le campfire. Donc, on va essayer de couper un arbre, faire un campfire pour pouvoir ensuite faire bouillir notre eau. Et aussi, si c'est possible, choper de la nourriture. Ça serait vraiment. Ah cool! De l'eau stagnante, ça c'est pas la mort quand même. Okay. Donc là si je fais ça, et que là je fais... C'est ça le problème, j'appuie sur... Ah non, là, ok. Là, et là je la drink. Hop, déjà la santé, direct, là ça va faire du bien. Là, ça descend vite l'eau, hein. Ah, ça monte ma santé. Ouais. Pas la faux folie, hein, mais ça aide. Alors, on va essayer de fouiller tout ça, là. Si je peux rechoper de la bouffe, franchement, ça serait parfait. Perfecto. Y'a rien, y'a vraiment pas grand-chose. Ah, on peut se laver, celle-là. Les armoires... Ah, on peut choper toutes les armoires en hauteur et tout. Ah! Ah!
Super, super, super. Donc on va prendre ça, on va le drop. J'attends qu'il soit à droite. Il n'est pas à droite. C'est dommage. Pourquoi je peux pas ramasser ces trucs? Ça quand même. List view. Icon view. Mais c'est quoi ce bazar là? Je l'ai jeté par terre ou... Comme ça je comprends pas ça. Il faut que je fasse hit peut-être. Non mon drop je le prends. Je sais pas, j'ai... C'est quoi ce bazar là? Un petit bouton. Je perds toute la bouffe que je ramasse quoi. Discovery. Tu veux ça là? Discover. Je peux maintenant faire de l'eau purifiée, d'accord. Ok. Ok. Voilà, franchement, là c'est bien dommage. Là. Parce que dès que je chope de la bouffe, si elle disparaît, ça va pas être ouf, quoi. Une pack. Comment ça, mon gars, ça va? Yes. Oh, et non, it's me. Ok, no problème. T'as changé de nom, quoi? Ouais, I go with you. Do you have something for it? Because I low energy. 0% of energy. Je ne l'entends plus. Ah, c'est de l'eau ça mon gars. Bon, l'eau j'arrive à la choper. Ça c'est quand même problématique. C'est un peu des problèmes pour amasser les trucs, hein. Donc l'eau là, l'eau je la chope, par contre, si je fais drop ça jette sur le sol, mais putain, je suis con. Mais pourquoi quand j'aurais dû... Thank you. We must find something to eat, hein, because... Yes. Alors... Vous l'entendez peut-être pas super bien parce que moi déjà j'ai du mal à entendre. Je suis désolé, il faudra peut-être que je fasse un petit réglage avec les autres joueurs. Ottoman, je sais pas pourquoi il m'écrit Ottoman. C'est le nom de cette balise magnifique. Oui, il a chopé un sabre, ça aide plus que mon truc. Hein. I don't have a campfire. With your arm, you can kill an animal. Yes, I saw the animal. We must go to the city to find the hatchet. S'il arrive à la tuer avec ça, voilà, d'accord, ok. Donc on peut pas tuer un animal avec une hache, il faut vraiment l'arme adéquate. Donc voilà, donc la hache, ça doit le... Do you have something to eat, or not? Got three animal meat. The campfire. Ok. You are a campfire. What's your hunger at? You have a campfire or not? Because it's very important. What's your hunger at? I have 0%. I don't have energy. Come here, pick this up. Ah, c'est sympa qu'on soit retombé sur Enor, notre ami. Ah ben, et comment on fait pour manger ça? Take. Thank you. For you too.
Par contre, j'ai plus de place. Donc ça, on va le drop. Ok, donc drop jeté. Voilà, tiens, ça c'est mon anglais qui m'a encore une fois aidé. Putain, il a acheté quoi cette arme là? Ah, ce mec là, il est blindé ou quoi? Alors, donc là, je vais faire ça. Hit. D'accord. Et je lui rends ça à son arme. Super, thank you. Do you want your your cut? Do you want your cut that you give me? Oh no, you keep it. You keep it. Thank you. We need to make campfire. I don't know how to make fire. Campfire. We may. Enfin non. We must cut a twiz. A twi. A fui. Putain, le gars il est surarmé quoi, il est tellement tombé sur des trucs. Bon, il est sympa, on va pas le boiter, moi je suis pas un joueur comme ça. C'est vrai qu'il y a des mecs là, il y a des moments genre ami, des coups le gars il te met une tête et puis il te chope tout quoi. Ça c'est les jeux comme ça. Alors, vas-y mon gars, je te laisse couper parce que moi je vais pas couper avec le couteau. Hein. I don't have a hatchet. Je sais pas ce qu'il fait. Ah, en fait là il est en train de frapper sûrement, mais on doit pas avoir l'animation extérieure. D'accord, ah, c'est bien ça. Voilà. Par contre, l'arbre tombe pour tout le monde, ça c'est quand même assez bien fait. C'est quand même assez sympa. Alors mon gars, to make a campfire, we need three fire, yes. Ah ouais, fire. You have fire? I don't have fire. I go in the city. Hein. We go in the city to find a fire. There's people in the city with guns. Yes, there is a lot of people here. Okay. To, in kill if we kill zombie, it's possible to have a fire or not? You got bandage? Yes, bandage. Yes. Bon, il m'a demandé si j'avais des bandages pour nous préchauffer pour aller frapper du mec. On va voir. Moi j'ai un flingue mais sans balles, du coup c'est pas super. J'ai l'impression que la nuit va tomber. Alors, c'est parti mon gars, c'est parti. Supermarket. I don't find anything. Maybe lighter. J'ai rien compris. I don't understand. Sorry. Et là, je vais dire ouais. Allez, on va laisser. Alors, on va aller au supermarket. D'accord, ok. Ouais, go to Romero's. Là, la musique elle est montée d'un coup. Je sais pas si vous m'entendez encore bien. Il y a des petits trucs de son que je comprends pas toujours dans ce jeu. Donc, voilà, c'est en train de repartir. J'en suis désolé. Donc je pense qu'on va se quitter là, juste avant le supermarket. Et puis on se retrouve donc juste après. Ciao ciao.